fâché, mon frère. C'est petit, mon frère. C'est l'entrée de la cité à quatre coins, située à Congrès vers le château. Voilà, ce sont les véhicules de Madame Kakabé, la femme de Monsieur le ministre de la Réconciliation. Ça fait exactement 2 ans qu'elle refuse de payer les charges mensuelles de la cité. Et là, aujourd'hui, le comité du syndic, avec le comité de gestion, ils ont décidé d'un commun accord. Ils ont donné des consignes comme quoi, aux vigiles, si elle venait aujourd'hui, il ne fallait pas qu'ils ouvrent le portail. Si elle voulait entrer, elle-même qu'elle le fasse, donc qu'elle ouvre le portail. Et là, elle a décidé de laisser son premier véhicule à l'entrée du véhicule, à l'entrée de la cité. Par la suite, elle est revenue garer son deuxième véhicule, là, de sorte à complètement bloquer le passage pour que personne d'autre ne puisse entrer. Et ils s'en sont pris à un jeune homme. Je vais tout à l'heure vous montrer la vidéo. Ce sont tous les jeunes hommes qui ont été filmer la scène de leur comportement. Ils ont été filmer la scène et là ils se sont pris au monsieur en question. Et puis bon, ils sont partis, hein, ils ont laissé les véhicules là, ils sont partis. Bon, c'est madame la ministre, hein, on va dire c'est la femme de monsieur le ministre. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire, il s'est pas tout permis. Et donc voilà, c'est ça. On ne peut rien, on ne peut rien. Madame Kakabé. Et puis alors après, on s'en fout. Et puis on s'en fout. Madame Kakabé. On s'en fout. On s'en fout. Si c'est Madame Kakabé. C'est la jeune con. Quatre petites personnes comme ça.